1995, un incident frappe la côte ouest de la Californie. Putain! 1998, malgré les efforts des autorités, le fléau recommence. Putain de merde! La plage de Punta Cana reste toujours menacée par la bête. Impossible de rivaliser avec celle-ci, les victimes se sont accumulées. Une seule personne était en mesure de sauver Punta Cana. California Beach, Punta Cana. 300 morts, 750 blessés. Ça sent le short. Ça sent le Christ de short. Hey! J'ai un objectif. Un but à atteindre. Grand short blanc d'Amérique. Tu le sens-tu le short? Tu le sens-tu avec ton gros nez le short? 5 tonnes. 5 tonnes de chair. Brut. Un aileron de 18 pouces de gros. Une vitesse de 3 Formule 1. 3-4. Amène-toi! Il y a une femme. Il vit solo. Il bouffe ses femmes. Au début, je pensais y aller main nue. Fuck that, la rallonge. Une corde en nylon. Botte, cap d'acier, fer forgé. Chapeau. Lunettes. Si t'as pas ça sur l'océan, t'es dans marre. Mais c'est sûr qu'avec mon expérience pis technique d'approche, j'aimerais avoir un bon pourcentage de chance de le remporter. Tu veux me parler de qu'est-ce qui s'est passé? Ben t'sais... Ok, c'est bon. Là, c'est sûr que, tu sais, en ce moment, je suis en train de faire un tour d'horizon là, pour savoir, tu sais, les bons spots, tu sais, où c'est que... Parce que là, moi, j'ai un pneumatique 3 forces. Trop profond, ça. 45 mètres de profondeur. Un esti de courant frais, mon chum. Je vais faire ton esti. On va quand même faire de 3 nœuds à seconde. Ah! Ah! Fuck you! T'es fusé. Bateau prend l'eau, là. Ça va pas bien, c'est. OK. Ça sent là, avec ton gros nez. Qu'est-ce que ça sent? Ça fait 3 ans, man. Il y a une hostie d'oie sauvage, man, qui fait le party dans le champ. 3 morts, 14 blessés, man. Faut que ça fasse. Oh, tu correct, le chasseur. Hey, ferme ta gueule. Hey, ferme donc ta gueule. On le définit comme étant un carnassien. Je sais pas si vous connaissez les vélociraptors. Eh bien, c'est la même chose. On va aller par là. Suis-moi. T'sais, vous pouvez voir que c'est assez tapé. Il a peut-être resté ici 2-3 semaines. Ok, on se brosse le chemin. Tabarnak, man. Il y a des escargots, man, dans mon soulier. Hey, c'est pas une partie de plaisir ici. Va-tu falloir que je t'apprenne les rudiments de la chasse? J'en ai vécu, moi, des affaires. La biche, ça, c'est quoi? C'est rien. Trois ours. Hey, tu veux savoir mon palmarès? Je te parle. Va falloir que tu te réveilles, man, ici, là. 4 castors, 3 ours. Du bison, de l'ours. Distingué du meilleur chasseur en 2009. Hey, donne-moi ça. Ça, c'est la clé, man. La clé de la chasse. Avec ça, man, tu peux tout faire. Raconte-moi une bonne histoire de chasse, femme. Ta gueule. M'enlever une couche, là, ça te dérange pas. Ça me dérange un peu, mais bon. Hey, femme d'autre, ta gueule. Ok, on va sortir de l'arsenal. J'ai eu ça dans l'armée, 14 ans. Rallonge ma chemise, la mopper là. Ça, c'est primordial, man. T'es perdu dans le bois, man. Ça te faut ça. Plug ça, 1000 watts. Quand t'as pas de plug électrique, puis le plugger, man, tu fais quoi? Ça va n'importe où, n'importe quand. Je suis en tabarnak. Fait 34. 74 avec le facteur Imidec. Bon, où c'est qu'on est, là? Tabarnak! Non, y en a rien qu'une, mon chum. Jamais vu. Dans le registre. On a jamais vu ça. Ça mesure 1m50, 2m. On a affaire à quelque chose de robuste. Yeah!
Est-ce que le chasseur arrivera à attraper le oie sauvage? C'est ce que nous saurons dans le prochain épisode. Dans l'épisode 3, là... Ah, ferme ta gueule, Brio! Yamashku!